Bonjour à tous, aujourd'hui, eh bien, comme vous pouvez le constater, je suis en pleine campagne. Il fait super beau, il fait super chaud, c'est très agréable. En fait, je suis en Mayenne et je pars à la rencontre de Daniel Mouquet qui a créé sa marque éponyme, spécialiste des revêtements de sol. Il va me faire découvrir son jardin avec ses bassins. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel parce que pour lui, la préservation de l'eau est importante. Mais il va également me parler de son produit star, c'est justement Hydro Star. Vous allez voir, avec ce revêtement de sol, eh bien c'est fini les flaques d'eau, c'est fini le sol trop chaud. Eh bien oui, c'est une innovation et on va tout de suite découvrir ça. Bonjour Caroline. Alors racontez-moi un peu votre parcours. Donc le parcours de l'entrepreneur, donc, il a démarré donc, en 77, juste après la sortie de l'armée, où donc, j'ai créé une entreprise ici, dans la Mayenne. Pourquoi ici? Parce que justement, mes parents étaient agriculteurs sur une petite ferme à côté. C'est dans les années 85-90 où je me suis dit donc, pourquoi pas se spécialiser dans un domaine. Aujourd'hui, l'entreprise Daniel Mouquet est spécialisée en aménagement pour allées, cours et terrasses. Mais Daniel Mouquet, c'est surtout une entreprise familiale. Avec Catherine, ma femme, on a eu deux filles. Et donc nos deux filles travaillent avec nous. On travaille vraiment en famille puisque effectivement j'ai mon père, j'ai aussi ma mère qui travaille dans l'entreprise et j'ai une sœur Camille qui travaille également dans l'entreprise. Donc mon père il s'occupe plutôt de la partie produit, développement, amélioration des produits. Moi je m'occupe de la communication et du commerce. Et puis enfin Camille qui s'occupe de la partie administrative et financière. Au départ, moi j'ai commencé à travailler donc avec mon père, donc à l'âge de 21 ans. Et au départ, je devais travailler avec lui, mais à 20 ans, ça ne me faisait pas vraiment rêver. Donc j'ai créé mon entreprise pour faire la même chose que lui, mais en étant indépendante. Et donc ça a bien fonctionné. Au bout de 10 ans, avec la maturité, je pense que là, j'avais la possibilité de revenir travailler avec lui. On a une fierté en fait. Et puis les rapports sont simples en fait quand on travaille en famille. C'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître peut-être particulier, mais on s'entend bien. Donc tout marche bien. Et aujourd'hui, plus de 240 entreprises travaillent sous la marque Daniel Mouquet. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une courbe, même pas droite, c'est une courbe exponentielle on appelle. Daniel me fait découvrir son jardin avec bien sûr ses revêtements de sol et ses bassins. Alors là, donc, sur les sols, donc, on a mis tous les produits de la marque. Là, on marche donc sur un gravistar, un gravillon collé sur une émulsion. C'est stable, hein. C'est fait aussi pour circuler dessus, c'est carrossable. Les voitures peuvent tout à fait rouler dessus. Là, c'est ce qu'on appelle le star drain. C'est le premier matériau qu'on a développé. Hein. Si on avait un peu de l'eau, on verserait de l'eau dessus et on verrait que l'eau s'écoule dessus. C'est très spectaculaire. Ouais. Peut-être que pour la caméra, on pourrait peut-être le faire. Ah bah peut-être, je sais pas. Vous croyez qu'on va le faire? Allez, on le fait. La carafe d'eau. Ouais. Donc, on met ça donc, sur l'enrobé. On jette de l'eau dessus et l'eau, ça, comme par miracle, l'eau s'infiltre. Ah ouais, elle reste pas du tout. Ça elle reste pas. Il n'y a pas du tout d'eau qui reste dedans. Et l'eau, du coup, elle va en terre directement. Elle va en terre. Elle retourne dans la nappe phréatique. C'est génial. Oui, donc j'aime bien les bassins, l'eau. C'est vrai que l'eau dans un jardin, c'est un élément vivant. Quand on peut avoir un peu d'eau dans le jardin, ça donne de la vie. Si ça amène aussi une biodiversité. Le premier bassin qu'on a créé, ouais, on voit bien. Il y a quelques carpes koi. Et puis, donc les nénuphars qui démarrent, parce qu'on est au printemps. Et ouais. Les nénuphars, ils démarrent, ils vont prendre de la place tout l'été. Et il y a une pompe, je vois. Et la pompe qui était là, oui. Et alors, il y a un petit cours d'eau. Et le cours d'eau qu'on a créé pour remonter l'eau dans le haut du jardin. Ouais. Pour créer cet environnement de pierres sèches et d'eau. Là on retombe sur une allée en star drain. Et alors les bordures, elles sont quoi? Avec les pavés, la couture. Ils permettent donc de faire poser des pavés sans joint. Sans joint, voyez-vous, ici, évidemment, ici, voyez-vous, bord à bord. Comme ça, il n'y a pas de joint. On va remonter. Elle va remonter au bassin en haut. Ah, c'est magnifique. Alors là, l'eau qui sort de la pompe, c'est l'eau qui vient du vide-cave. Ah, comment ça se fait? Dans la cave? Dans la cave, oui. Il y avait une source. On a voulu faire une cave. Ouais. Et puis, paf, on est tombé sur une source. Et alors là, le sol, c'est quoi? Là, c'est ce qu'on appelle le bois B. Le bois béton, c'est un dallage que l'on fabrique dans la région d'Angers. C'est un béton imprimé de bois.
qui donne cet aspect bois. On fait l'avantage du béton, ça glisse pas, il y a peu d'entretien. Donc ça veut dire sur les bords d'une piscine, c'est parfait. Voilà, sur les bords d'une piscine, sur une terrasse. Et c'est un effet naturel. Un effet naturel. Et alors là, vous avez fait un décroché avec ces dalles. On a fait un mélange de produits pour un espèce de décor. Et c'est quoi ce produit là? Alors ce produit qu'on appelle Hydrostar. Et ça, c'est la nouveauté. Ce sont des gravillons qui sont agglomérés entre eux par une résine. On a un aspect naturel, c'est la couleur naturelle des graviers. Ah oui. Donc c'est des graviers de marbre. Donc c'est sur une fine épaisseur. On est seulement sur 2,5-3 cm, ouais. Ce qui permet donc d'utiliser peu de matériaux, qui est très, très pratique autour des piscines, puisque comme il est poreux aussi, oui. Puisque quand on ressort du bain de la piscine mouillée ou que les enfants jouent dans la piscine, s'il y a de l'eau qui tombe dessus, il n'y a pas d'eau qui coule partout. Par rapport à la chaleur et au soleil? Très intéressant, très bonne question, puisque autour des piscines, certains dallages peuvent brûler les pieds. Là, ici, non. Parce qu'il y a, comme il y a un vide d'air, donc il y a des échanges, frais du sol remonte à travers et ne vient pas brûler les pieds. On a 8 couleurs qui suivent les choix des clients. Et qui ne vont pas changer avec le soleil? Ah non. Ça non, résiste aux UV? Oui, bien sûr, ça résiste aux UV. Oui. On peut poser 60 mètres carrés par jour, entre 100 et 150 euros le mètre carré. Bon, bah merci Daniel. Je vois qu'il y a un jacuzzi derrière, c'est plutôt sympa ça. Bah oui, merci Caroline. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être même en profiter. Bon, bah je vous laisse alors profiter du jacuzzi et à très bientôt. Merci. Au revoir Daniel. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Une belle rencontre avec Daniel et sa fille Pauline. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller sur le site de Daniel Moquet pour découvrir eh bien, toutes les innovations et toute la gamme des produits de la marque. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez poser vos questions et surtout vous abonner. Allez, je vous embrasse très très fort et à très très vite. Ciao! C'est donc terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très très vite. Pour vous abonner, c'est très simple, cliquez sur ma photo en haut à gauche. Allez, à très vite. Ciao à tous.